La ville d'Utrecht, c'est 5 500 habitants. C'est situé entre Rouen et Le Havre, entre deux très grosses agglomérations, le long du fleuve la Seine. Et depuis le début du 19e siècle, des industries se sont installées sur le territoire de notre commune, des chantiers navals et une raffinerie de pétrole. Dans les années 70, ces deux entreprises ont disparu. Nous avons souhaité développer notre zone d'activité pour créer des richesses et pouvoir développer notre ville. Nous nous sommes vite aperçus que développement ne pouvait pas aller sans requalification de la zone. Un partenariat s'est créé avec le parc naturel régional des Boucles de la Seine-Normande qui nous a proposé de mener une expérience de concertation-action sur cette zone d'activité avec une entrée développement durable et donc la nécessité de mettre en place un schéma de management environnemental sur notre zone d'activité. Le parc a un acquis par rapport aux actions qu'il a pu mener les années précédentes auprès des entreprises, a une connaissance maintenant assez fine d'un certain nombre d'enjeux de l'entreprise par rapport au milieu, à l'environnement en général. Le parc, dans le cadre de la zone d'activité du Malaki, a proposé une animation spécifique en mettant à disposition un animateur de zone d'activité qui a cette compétence vis-à-vis de l'entreprise et permet de jouer le rôle d'interface entre l'entreprise et la collectivité et de mener à bien ce rôle vraiment fondamental, ce rôle de terrain au quotidien sur zone. Sa vocation, c'est clairement de pouvoir engager les collectivités qui souhaitent se réapproprier leur rôle de gestionnaire par rapport à ces espaces. On est sur une zone d'activité avec un historique industriel fort, mais on a également à proximité des milieux naturels sensibles, des zones humides. On a la Seine qui est outre un axe de communication et également un milieu à protéger par rapport à ce que ça représente en termes de ressources en eau. Donc c'est une action basée sur le partenariat entre la collectivité et les entreprises et nous avons, au bout de 2 ans de concertation et de discussion, convenu en février dernier de signer une charte environnementale. Cette charte émet un certain nombre de principes et elle définit également pour chaque entreprise un programme d'action particulier et confidentiel qu'elle s'engage à mettre en œuvre dans les années à venir. Cette charte est également signée par la commune qui elle aussi s'engage sur un programme d'action. Le rôle de gestionnaire d'une zone d'activité, c'est de veiller à son bon état physique. Donc nous avons requalifié, restructuré notre boulevard industriel, c'est un programme pluriannuel, à son bon état écologique. Nous avons travaillé à la mise en place d'un réseau d'assainissement sur la zone d'activité. Nous faisons en sorte que les rejets dans les fossés des entreprises soient de qualité. Nous avons mené une étude à la demande des entreprises sur la gestion collective des déchets. Alors, sur l'opération que nous avons menée sur la zone d'activité du Malaki, une des priorités qui avait été relevée lors de l'état des lieux initial, c'était d'intervenir sur la protection de la ressource en eau et la gestion des déchets toxiques. Et nous avons trouvé auprès de l'agence de l'eau Seine-Normandie un partenaire privilégié qui a été là pour nous accompagner, pour offrir aussi la possibilité aux entreprises d'obtenir des aides en fonction des problématiques de leur activité. S2G, c'est une petite entreprise née en 1994. C'est une usine qui fabrique des éléments en béton armé préfabriqué, dit architectonique. L'entreprise emploie une 20aine de salariés, de 20 à 30 suivant l'activité. Alors évidemment, faire du béton, ça engendre forcément des déchets en phase terminale des fabrications, mais aussi des déchets sur les process de fabrication, notamment de polissage. On enlève de la matière, et quand on enlève de la matière, avec un lubrifiant qui s'appelle de l'eau, ça crée des boues. Et ces boues sont relativement importantes, si vous voulez, en quantité, et il faut pouvoir s'en débarrasser et les évacuer. On a construit donc avec M. Targoz le parc et la ville, un projet, des consultations auprès de matériel de filtration. Ça a demandé quelques mois et on est arrivé à avoir un projet bien ficelé de façon technique,
façon qui réglait le problème de la pollution. Les déchets solides sont évacués et on récupère de l'eau décantée, propre, qui est réinjectée dans le circuit, ce qui fait qu'on fonctionne en circuit fermé. Donc économie d'eau, bien évidemment, et puis évacuation des déchets de façon tout à fait normale. Comme pour l'exemple qu'on vient de voir de l'entreprise de M. Guillaume, entreprise S2G Préfabrication, j'ai eu la possibilité et la mission hein, d'intervenir auprès des 40 entreprises artisanales, industrielles de la zone d'activité du Malaquis au Trait pour les accompagner à différentes échelles dans une démarche d'amélioration de la gestion environnementale de leurs activités. Alors pour des entreprises d'une taille comme les PME, PMI, eh bien, c'est d'intervenir comme un chargé de mission environnement. Et puis auprès des industries, eh bien, là, c'est un appui aux responsables environnement du site, puisque pour les industries, ils ont la possibilité d'avoir les ressources humaines et financières en interne pour avoir du personnel. Mais je viens en complément pour apporter une information plus précise sur les enjeux liés au territoire. Nous avons décidé, toujours avec le parc, de prolonger la mission de l'éco-conseiller. Au 1er novembre 2005, cet éco-conseiller va rentrer au service de la communauté de communes et l'action va s'étendre maintenant sur le territoire de la communauté de communes dite Comtree, qui réunit la ville d'Utrecht et la ville de Yainville. Nous nous sommes lancés dans cette aventure du développement durable, de l'aménagement environnemental de zones d'activité, prudemment au départ, et puis aujourd'hui nous avons la faiblesse de penser que si les trois grands groupes présents sur notre zone d'activité ont choisi de se développer et de rester au Trait, c'est parce qu'elles ont su trouver dans le parc naturel régional des boucles de la Seine Normande, au Trait plus particulièrement, un cadre et un environnement de qualité et qu'elles souhaitent y rester. Donc, c'est une action qu'il faut à tout prix mener quand on a sur son territoire des activités présentes et qu'on souhaite les garder et en faire venir d'autres.